République laïque et carrefour des civilisations par son histoire millénaire, l'Azerbaïdjan, pays musulman dont la majorité de la population est de confession chiite, a su préserver sa spécificité avec la présence sur son sol de minorités ethniques et religieuses depuis l'Antiquité. Au XIXe siècle, la région du Caucase est restée à l'écart des enjeux politiques et géostratégiques. Le boom pétrolier va changer le destin de l'Azerbaïdjan. Bien que sous domination de l'Empire russe, une bourgeoisie autochtone participe à l'essor économique du pays grâce à la manne pétrolière. Influencée par la culture européenne, cette élite éclairée transforme Bakou, la capitale du pays, en une ville moderne et cosmopolite. Le 28 mai 1918, l'Azerbaïdjan déclare son indépendance. La République laïque, démocratique et parlementaire d'Azerbaïdjan est née. C'est le premier régime républicain qui voit le jour dans un pays musulman. Une constitution est adoptée dans la foulée. Elle garantit les droits civiques et politiques à tous les citoyens, sans distinction. C'est ainsi que ce petit pays musulman du Sud-Caucase sera l'un des premiers au monde à octroyer le droit de vote aux femmes. L'éducation et la culture sont privilégiées. Des salles de théâtre, des bibliothèques et des établissements scolaires se multiplient. Et la première école pour filles ouvre ses portes en 1906. Mais en avril 1920, les troupes de l'armée rouge passent la frontière et l'Azerbaïdjan perd son indépendance et devient l'une des républiques de l'Union soviétique. En 1969, Heydar Aliyev a accédé pour la première fois au pouvoir en Azerbaïdjan, alors sous domination soviétique. À l'époque, le pays était dans une situation difficile. Heydar Aliyev comprenait très bien que toutes les initiatives devaient être conformes à l'idéologie soviétique. Les mesures prises par lui vont permettre à l'Azerbaïdjan de figurer parmi les républiques motrices de l'URSS. L'Azerbaïdjan se soulève en 1988. La répression s'abat sur le pays et les chars soviétiques entrent dans Bakou, faisant des centaines de victimes. Cela ne dissuade pas pour autant les Azerbaïdjanais de continuer leur combat pour leur indépendance. Le Parlement de la République autonome du Nakhitchevan, présidé par Heydar Aliyev, proclame la création de la nouvelle République. Le 30 août 1991, la Deuxième République d'Azerbaïdjan, héritière de celle de 1918, est née. En 1991, l'indépendance de nouveau acquise par l'Azerbaïdjan n'est pas allée sans difficulté. L'agression militaire contre les territoires azerbaïdjanais, l'occupation de ces terres et la crise économique avaient conduit la République vers une situation périlleuse. C'est seulement après le retour d'Heydar Aliyev au pouvoir que nous avons observé une évolution radicale dans tous les domaines. Et à partir de 1993, l'Azerbaïdjan est parvenu à rejoindre la communauté internationale. Le réveil des nationalismes a été l'une des conséquences tragiques de l'implosion de l'URSS. Le conflit du Haut-Karabakh entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie en est un exemple qui a laissé des traces profondes. L'époque qui correspondait au rétablissement de l'indépendance en Azerbaïdjan a été très difficile. Il y a des pays qui ont recouvré leur indépendance en avançant lentement, pas à pas. Mais chez nous, cela a été compliqué. Nous avons rétabli notre indépendance dans des conditions de guerre et de conflit. À cette époque-là, 1 million d'Azerbaïdjanais ont subi le sort de réfugiés et de déplacés, et la moitié d'entre eux étaient des femmes. En 1918, le droit d'élire et d'être éligible a été accordé aux femmes.
C'était une première dans l'Orient musulman. Nous sommes fiers que cela se soit passé dans notre pays et que l'une des premières décisions de la République démocratique de l'Azerbaïdjan fut d'accorder la liberté aux femmes. En Azerbaïdjan, les femmes n'ont pas vraiment lutté pour leurs droits. Ce sont des hommes azerbaïdjanais qui ont mené ce combat pour nous, des représentants de l'intelligentsia azerbaïdjanaise, des écrivains, des journalistes. Ce sont eux qui ont voulu la liberté des femmes. Ils comprenaient très bien que si dans une famille, la femme est instruite, les enfants seront instruits. Et la société sera libre. Aujourd'hui, il n'y a pas un domaine où les femmes ne sont pas présentes, qu'il s'agisse du domaine judiciaire, militaire, scientifique, éducatif. Il faut noter également le développement des entreprises féminines, un secteur auquel l'État accorde beaucoup d'importance. De nos jours, il y a des femmes entrepreneurs. Les femmes qui travaillent dans l'économie et la finance sont très nombreuses. Il y a également des associations de femmes entrepreneurs qui ont été créées. Toutes ces entreprises féminines participent directement aux processus économiques et sociaux en cours dans le pays. En Azerbaïdjan, aucun domaine n'est resté étranger aux femmes, y compris le mécénat. C'est une femme, Nabat Hanoum Ashurbeyova, qui finança avec ses propres deniers la mosquée Tizipir au début du XXe siècle. Plusieurs fois menacée de destruction durant la période soviétique, cette mosquée, modèle de réussite dans l'art de l'architecture islamique, abrite la tombe de sa fondatrice. Dans l'histoire ancienne de l'Azerbaïdjan, vous pouvez constater que le respect envers la femme azerbaïdjanaise a toujours été très élevé au sein de la famille. Dans notre langue, à la différence de nombreuses autres langues, on parle de Aksakal, le doyen de la famille, et de Arbichek, la doyenne de la famille, ce qui atteste à l'intérieur même du cercle familial d'une égalité de genre, d'une politique familiale. C'est dire si, dans la famille azerbaïdjanaise, il existe un respect égal envers les hommes et les femmes. On attribue souvent, on dit « Ah oui, la femme a une certaine place en Azerbaïdjan grâce à l'époque soviétique ». Non, c'est une... Bien avant l'époque soviétique, les femmes en Azerbaïdjan, au temps de la première république d'Azerbaïdjan, ont eu le droit de vote, bien avant, par exemple, la France. Bon. Ensuite, en effet, l'époque soviétique a continué à contribuer à maintenir, évidemment, cette tendance à s'acheminer petit à petit vers, sinon la parité, en tout cas l'égalité. Le principe d'égalité entre les hommes et les femmes s'applique également aux minorités ethniques et religieuses du pays. En Azerbaïdjan, le vivre ensemble n'est pas un slogan politique ou idéologique. Il fait partie de l'histoire et de l'identité du pays. En Azerbaïdjan vivent des représentants de plus de 30 peuples. L'Azerbaïdjan est aussi un pays multiconfessionnel. Des croyants de différentes religions y coexistent, des musulmans, des chrétiens et des juifs. Cette diversité ethnique et culturelle réelle a amené l'État à mettre en œuvre une politique dédiée au multiculturalisme. Dans le contexte actuel de mondialisation,
Dans chaque société, il existe une diversité raciale, ethnique et culturelle. Tanzimlenmesi büyük ehemmiyet kesbeyleyen bir meseledir her bir çok medeniyetli devlet için. Çünkü et la régulation de cette diversité est une question importante pour tout État à caractère multiculturel. Car si la diversité raciale, ethnique et culturelle n'est pas régulée ou mal régulée, il se produit des problèmes et des conflits peuvent se déclencher. L'indice principal de la réussite et de la mise en œuvre de cette régulation est que, historiquement, il n'y a jamais eu de conflit ethno-religieux en Azerbaïdjan. Le multiculturalisme est en même temps une politique d'État et un style de vie. L'Azerbaïdjan est un pays musulman, mais des communautés de différentes religions y vivent également. S'il existe actuellement 942 communautés religieuses, la population reste à 96% musulmane. On dénombre 35 communautés religieuses non musulmanes, dont 24 sont des communautés chrétiennes. Parmi ces dernières, on peut citer les baptistes, les évangélistes, les liturgiques, les témoins de Jéhovah et bien d'autres obédiences. Il y a aussi deux communautés Baha'i, une communauté Krishna et 8 communautés juives. On compte dans le pays 14 édifices chrétiens, dont une église catholique, une luthérienne, ainsi que 7 synagogues. Dans la région de Gabala, Nitch est un petit village qui abrite la plus petite minorité religieuse d'Azerbaïdjan, les Houdis. Dans cet endroit vivent des populations houdis. Les houdis sont les héritiers religieux directs de l'Église apostolique albanaise. Ils ont sauvegardé le christianisme, leur langue, leur ethnoculture, leur cuisine. Aujourd'hui, vous êtes dans le bourg de Nitch, dans la région de Gabala. Ici, les houdis cohabitent avec les musulmans, les lesguines et d'autres peuples. C'est un bon exemple du multiculturalisme dans le pays. Nous vivons ensemble en paix. Nous partageons nos joies et nos chagrins. Pendant les mariages et les funérailles, nous sommes ensemble. Les portes des synagogues, des églises et des mosquées sont ouvertes. Prenons l'exemple des mosquées. Chez nous, il n'y a pas de distinction entre chiites ou sunnites. Les deux font leurs prières ensemble et les portes des mosquées sont ouvertes. Même chose pour les synagogues. Et vous voyez, la porte de notre église, elle est ouverte. Les musulmans, les chrétiens peuvent y rentrer et tous les croyants d'autres religions. C'est un principe important que de ne pas fermer les portes à quiconque, mais au contraire de les ouvrir. Pas seulement pour les représentants d'un seul culte, mais pour toutes les confessions. Si le village d'Ivanovka est considéré comme une petite Russie, c'est parce qu'il a été fondé par des Russes qui avaient été déportés dans le Caucase au XIXe siècle. Le village, où vit une autre minorité religieuse, les Molokans, est organisé en ferme collective sur le modèle des kolkhozes soviétiques. Le premier Molokan est arrivé en 1834 en Azerbaïdjan. Au départ, il y avait 154 Molokans dans notre village. Ivanovka a été fondée en 1847. Pourquoi on l'appelle Ivanovka ? Parce que parmi les 11 premières familles molokanes, c'est Ivan Pershin qui fut le premier à gravir cette montagne avec une pelle. Il retourna la terre, remarqua que la terre était noire et dit
C'est ici que nous allons nous établir. C'est en l'honneur d'Ivan Pershin que le village s'appelle Ivanovka. Depuis que nos ancêtres ont fondé ce village, nous conservons la foi qu'ils ont apportée des provinces lointaines. Cette foi est basée sur Jésus-Christ. Nous croyons au Dieu vivant. Nous n'adorons pas la croix. Nous n'avons pas de croix. Nous n'avons pas d'icône, comme vous le voyez vous-même. Nous croyons juste en notre Sauveur Jésus-Christ. Ici, nous organisons l'office du dimanche. Nous organisons également toutes nos fêtes que nous célébrons avec le monde orthodoxe entier, telles que Noël, l'Épiphanie, Pâques, l'Ascension et la Trinité, que nous célébrons dans ce lieu. Au début du XXe siècle, l'Église catholique comptait environ 10 000 fidèles. Beaucoup sont partis pendant la période soviétique pour fuir les persécutions. Aujourd'hui, la communauté catholique compte quelques centaines d'Azéris et plusieurs milliers parmi les étrangers qui vivent et travaillent à Bakou. Le pape Jean-Paul II est venu ici en 2002. C'est cette visite qui nous a apporté ce grand présent. Car nous avons reçu du président ce terrain pour y construire une église. Et il y a 3 ans, nous avons salué avec grand plaisir et joie, dans cette église nouvellement construite, le pape François. Il était venu de Géorgie et s'était exprimé pour encourager la petite communauté catholique qui vit ici et pour dire son respect pour la politique de multiculturalisme et de tolérance envers les minorités adoptée par notre État. Au XIXe siècle, après l'annexion de l'Azerbaïdjan par l'Empire russe et le développement rapide de l'industrie pétrolière, de nombreux chrétiens orthodoxes, plus particulièrement russes, sont venus s'installer en Azerbaïdjan. Ils étaient ingénieurs, médecins, architectes ou bien ouvriers de différentes nationalités. C'est ainsi que sont nées les premières églises orthodoxes et que s'est constitué un clergé pour guider les fidèles. L'Église orthodoxe d'Azerbaïdjan fait partie intégrante de la société azerbaïdjanaise. Notre société est multinationale, multiculturelle et j'ajoute toujours multiconfessionnelle. Nous n'avons pas de quartier, de rue ou de village réservé à une nationalité ou une origine particulière. Chez nous, dans la même rue, dans la même maison, des gens de nationalités différentes et de religions différentes vivent ensemble. Et c'est très gratifiant pour le pays de vivre dans cette paix. Nous avons de nombreux mariages mixtes. Et bien sûr, les chrétiens orthodoxes ont une importance dans la vie de notre pays. Le défunt leader national de l'Azerbaïdjan, Heydar Aliyev, disait que la diversité est notre richesse. Par conséquent, les chrétiens sont présents partout. Ils sont présents au gouvernement, ils sont présents au Parlement, dans les forces de l'ordre, dans le domaine de l'éducation, dans les sciences, en médecine, en sismologie, à l'Académie des sciences. Ils sont présents dans les entreprises aussi. Autrement dit, nous, les chrétiens, faisons partie intégrante de la société azerbaïdjanaise. À Bakou se trouve la plus ancienne église russe orthodoxe d'Azerbaïdjan, Saint-Michel l'Archange, qui a une histoire bien singulière.
L'église a été fermée en 1936. Pendant 10 ans, elle a été utilisée à d'autres fins. En 1946, le lieu fut rendu à l'église orthodoxe russe et l'office a pu reprendre. En 1967, le site a subi une terrible épreuve. Un incendie s'était déclaré dans la partie supérieure. Selon les directives officielles, en cette époque de combat contre Dieu que fut l'ère soviétique, l'église devait être fermée, puis détruite. Mais grâce à l'intervention du chef du comité de sécurité de l'État d'alors, futur président de notre pays, l'église a pu être sauvée. Pendant la restauration de cette église, en 1967, de nombreux habitants de Bakou, en majorité des musulmans, sont venus dans cette église et ont fait des dons. Ce qui a soulevé des questions de la part des serviteurs du culte orthodoxe, très étonnés. Pourquoi donc, vous qui êtes musulmans, soutenez-vous une église chrétienne incendiée? Et ils ont reçu cette réponse significative. C'est le chagrin de la ville où une maison de Dieu a brûlé. La communauté juive est présente en Azerbaïdjan depuis la nuit des temps. Juive des villes ou des montagnes, cette communauté s'est enracinée dans le pays par son nombre et par ses traditions jusqu'à nos jours. Cette synagogue a été construite par décret du président de la République qui a ordonné son financement. Elle nous a été offerte à nous, aux Juifs de la montagne. Cet été, le président de l'Assemblée de l'État de Californie est venu nous rendre visite avec sa femme. Je les ai accompagnés à Gouba. Il m'a demandé, d'ici, de la synagogue, pouvons-nous aller à la mosquée? J'ai répondu qu'il n'y avait aucun problème. J'ai appelé l'imam de la mosquée et je lui ai demandé, Hadji Naïb, mon frère, où es-tu? Il a répondu, je suis à la mosquée. Quand nous sommes arrivés, nous nous sommes embrassés avec Hadji Naïb. Et le président de l'Assemblée de l'État de Californie est resté bouche bée. Mais qu'est-ce qu'il faut? Au même moment, l'appel à la prière a commencé. Et nous, après avoir écouté l'appel à la prière, nous avons enlevé nos chaussures et nous sommes entrés dans la mosquée. Après une longue conversation, le président de l'Assemblée de l'État de la Californie était bien convaincu que chez nous, en Azerbaïdjan, il n'y a pas de différence de traitement des religions. Il y a un esprit d'unité dans nos mosquées qui n'existe nulle part ailleurs. Les chiites et les sunnites font la prière ensemble. Dans nos mosquées, dans nos sermons et nos prêches, on ne parle pas de divergence entre les courants de l'islam, sauf à s'exposer aux rigueurs de la loi.
Dieu merci, nous avons créé un exemple pour le monde et une tolérance qui n'existe nulle part ailleurs. L'ambition de l'Azerbaïdjan, d'être un acteur du dialogue interreligieux dans le monde, s'est manifestée par l'accueil de la deuxième édition du Sommet mondial des leaders religieux, à Bakou, la capitale, les 14 et 15 novembre 2019, qui a réuni 500 représentants et délégués de 70 pays. Inauguré par le président Ilham Aliyev, accompagné de son épouse, la vice-présidente Meriban Aliyeva, le sommet pour le dialogue entre les cultures et les religions ambitionne de devenir un rendez-vous incontournable à l'échelle internationale. Ce sommet était une opportunité unique en son genre. L'arrivée de nos hôtes, leur réunion ici, était un grand événement. Même si les faire venir pouvait soulever des questions. Car cela voulait dire que des chefs politiques et des chefs religieux peuvent être assis ensemble. Et que les chefs politiques, s'ils en ont la volonté, peuvent rassembler les religieux pour parler de la paix. Fidèle à son histoire multiculturelle et multireligieuse millénaire, l'Azerbaïdjan, pays musulman et république laïque, œuvre pour demeurer ce qu'il a toujours été, un carrefour des civilisations. L'Azerbaïdjan est une heureuse surprise de voir comment un petit pays qui est entouré de trois grandes puissances et l'art de l'Azerbaïdjan de tenir à distance, sans d'ailleurs hostilité, mais de tenir en respect et de se faire respecter, cette espèce de capacité à vivre ensemble, à se supporter, à se tolérer ou à faire la part des choses, en tout cas avec les uns et les autres, n'était pas seulement un problème de politique étrangère, je crois que c'est co-substantiel à l'âme de l'Azerbaïdjanais. Que ce soit dans notre langue, dans nos coutumes religieuses, nos comportements, notre code vestimentaire, voire dans notre mentalité, nous reflétons la fusion de l'Orient et de l'Occident. C'est une spécificité inhérente au peuple azerbaïdjanais. Et c'est pourquoi, de mon point de vue, tous les peuples vivant sur le territoire azerbaïdjanais se sentent libres et en sécurité, pour la simple raison qu'ils ont évolué avec et parmi nous et se sont intégrés à la nation azerbaïdjanaise.